Eh bien, bonjour. Il semblerait que cette fois, tout marche. Ah, je dis ça parce que ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière n'ont pas vécu. On a galéré, hein, pour tout dire. On n'a pas réussi. Voilà, on avait un problème de son et aujourd'hui, il semblerait que tout fonctionne. Donc, dites au chat si vous recevez, hein, mais a priori, je reçois des messages comme quoi ça a l'air d'être bon. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'était tout simplement un problème de carte de son et Guillaume a résolu. Voilà, aujourd'hui, tout est en ordre. Alors, nous allons parler, on a différé, donc ce sujet de la semaine dernière. Je présente toutes mes excuses à ceux qui étaient là et qui n'ont pas eu ce qu'ils étaient venus attendre puisqu'on n'a pas pu faire. Et je présente aussi mes excuses à mes partenaires. Voilà. Indépendant de notre volonté, mais malgré tout, c'est un peu notre faute. Alors, aujourd'hui, on revient sur ce sujet. Et Maison écologique, construire ou rénover. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois ici d'un livre que je sors, qui va être publié par Terre Vivante et qui devrait être disponible le 22 septembre dans toutes les librairies de France et de Navarre. Eh bien, le voilà, ce livre. Hein, je vous le présente. Moi, j'ai reçu les exemplaires de l'auteur. Donc, normalement, les librairies qui l'ont. Et cet exemplaire va être incessamment sous peu sur les étagères. Tous ceux qui voudraient le précommander, c'est possible, entre autres, à la FNAC. C'est peut-être possible ailleurs, mais à la FNAC, en tout cas, ça l'est. Hein. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur cette grande question que chacun se pose. Hein. Alors, le slide ne veut pas disparaître. Voilà. Alors, pourquoi se pose-t-on toujours cette grande question, construire ou rénover? Maison écologique, pour moi, pour nous, ce n'est pas une question, c'est une obligation. Hein. Mais bon, il est toujours bon de le rappeler quand même. Hein. Et construire ou rénover, parce que on n'est jamais très sûr de ses choix, des opportunités à saisir. Et cette question, on se la pose pour ses propres besoins, pour un investissement. Est-ce que je garde ma maison? Est-ce que je la rénove? Est-ce que je l'agrandis? Je vends, si je dois agrandir, est-ce que je vends et je prends quelque chose de plus grand? Est-ce que je vends et que je reconstruis, etc. Et on a plein de raisons de se poser cette question. Alors, je vais travailler sur cette thématique sous trois aspects. Et j'y reviendrai les semaines suivantes, les aspects subjectifs, donc tout ce qui fait que pour des raisons qui nous sont propres, on aimerait bien ceci, on aimerait bien cela, les aspects objectifs, où là par contre on pose bien sur le papier, et les aspects techniques, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, etc. Donc ces trois grands sujets-là, sous-sujets même j'oserais dire, seront abordés les semaines prochaines, hein, une semaine par aspect. Et donc, aujourd'hui, alors pourquoi ce slide ne veut pas disparaître? Eh bien, j'ai un petit problème. Voilà, ça y est. Donc, aujourd'hui, on va regarder les aspects qui concernent les deux que vous choisissiez de construire, de rénover, d'agrandir, quels que soient les cas de figure. Vous aurez intérêt à vous poser des questions sur l'implantation géographique au niveau du climat. Hein. Qu'est-ce que le climat peut avoir comme influence sur ma maison et forcément sur moi. Hein. Les implantations géographiques ont aussi une incidence sur la vie sociétale. Si je choisis de m'installer dans un cœur de village, dans un hameau ou dans une ville en plein centre-ville, ben, forcément, je ne vais pas avoir les mêmes opportunités. L'implantation géographique a aussi à voir sur les surfaces, puisqu'il est quand même assez difficile de trouver, par exemple, une grande surface dans un cœur de village, encore plus difficilement dans une ville. Et cette surface a elle-même des incidences sur la tonte, l'entretien, le nettoyage, etc. Ah, j'ai fait une fausse manœuvre.
Et donc, je reviens. Voilà. L'implantation géographique a aussi à nous dire et va nous imposer des contraintes du fait des déplacements. Donc, on va passer un temps qui sera plus ou moins important selon que là où je m'implante, je serai proche des points de déplacement, je serai proche de ce que j'appelle, moi, les déplacements contraints, c'est-à-dire l'obligation de me rendre à mon travail, par exemple, si je ne suis pas en télétravail, emmener les enfants à l'école, retourner les chercher. Je vais avoir aussi la nécessité de me déplacer pour aller faire les courses, pour aller au club, pour emmener les enfants eux-mêmes au club, pour des problèmes de santé, etc. Donc tout ça implique du temps qui va être passé et qui sera plus ou moins important. Et ça implique aussi un coût, hein, ça n'est pas négligeable. Et donc, on a aussi une... Alors, ça ne veut plus passer. Ah, mais décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à supprimer mes slides. Et alors, et par contre, d'un coup, bien évidemment, ça m'en supprime deux. Voilà. Voilà, alors. Ouf. Je vous explique un petit peu pourquoi ça rame. Parce que ça ne faisait pas, ça ne se passait pas comme ça quand on travaillait avec Lorane. Alors il se trouve que Lorane était en centre-ville, à Bruxelles, elle avait un débit montant absolument extraordinaire. Moi je suis dans le cœur du Bourbonnais, mon collègue Guillaume et Céline sont aussi dans le Bourbonnais, et on a des débits qui sont bien inférieurs, et pour pouvoir quand même faire face et vous proposer ces visioconférences, j'ai opté pour une parabole. Mais la parabole, on a un temps de latence. Et donc, faut envoyer l'ordre, donc qu'elle le reçoit, que le satellite le reçoive, renvoie l'ordre, etc. Donc, ça coince un peu, alors on va apprendre à gérer tout ça. Alors, on le fait d'abord pour... Donc, est-ce que je construis, est-ce que je rénove? Voilà, est-ce que si je fais comme ça? Voilà. C'est pas croyable, ça. Alors, on a un impact également environnemental. Donc, les déplacements, on a vu le temps passé. Le temps passé, donc, que je me déplace à vélo, à pied, en voiture, ou en transport en commun, si j'ai une heure de déplacement, cette heure-là pour aller, et qui va peut-être se cumuler à une heure pour revenir, pour aller à mon travail, ou pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, ce temps passé-là, je ne vais pas l'avoir pour faire autre chose, il va être consommé. Les déplacements impliquent également une consommation de ressources. Alors, consommation de ressources, pour quelles raisons? Eh bien, tout simplement parce que lorsque je me déplace, sauf peut-être à pied, et encore que j'use mes chaussures, hein, mais lorsque je me déplace à vélo, en voiture, en transport en commun, eh bien, c'est toujours des ressources qui sont consommées pour fabriquer l'engin qui va me servir à me déplacer, et parce que cet engin, sauf si je pédale sur mon vélo ou je marche, eh bien, il y a un besoin d'énergie pour le faire avancer. Et cette énergie consommée, ces ressources consommées, toute l'énergie également pour fabriquer, relâche des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, mon impact environnemental est influencé par mes déplacements. On a aussi un impact environnemental du fait des matériaux. Est-ce que ces matériaux sont performants? Est-ce que ces matériaux sont durables? Est-ce qu'ils sont peu énergivores? Est-ce que ces matériaux sont locaux? Est-ce qu'ils sont salubres? Est-ce qu'ils sont recyclables? D'un entretien facile? Vous voyez, toutes ces questions-là sont absolument importantes et on se doit d'y prendre vraiment, d'y porter grande attention. Alors,
ce que je vous propose, j'ai parcouru extrêmement rapidement, hein, donc tous ces slides. Alors, je te le dis, Guillaume, on remonte. Voilà. Et je vous propose de poser des questions, vous, si vous le voulez, sur ces aspects-là. Est-ce qu'on a des questions qui nous sont arrivées déjà, je pose la question à Céline, concernant l'implantation géographique. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet-là ? Alors non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Si tu veux remettre le micro, Guillaume, s'il te plaît. Guillaume, peux-tu remettre le micro ? Merci. Est-ce qu'on a des questions ? Alors non, pas pour l'instant. D'aucune sorte. Bon, ok. On a quand même des gens qui sont là ? Quelques-uns, ok. Alors, si on n'a pas de questions, donc moi, je vais développer un peu. Hein. Donc, le climat, je peux dire en quoi le climat est très impactant et en quoi le climat a de l'importance pour choisir ou non ce lieu d'implantation ou cet autre lieu-là. Il est clair que pour qui craint la chaleur, aller, encore que maintenant, cet été, on vient de voir que même dans les régions les plus hautes en France, hein, on a eu de la canicule. Donc les grandes règles passées ne sont plus aussi vraies qu'elles ont pu l'être. Mais il est clair que quelqu'un qui décide de s'installer en dessous d'une ligne que je tracerai volontiers de Valence à Nantes, il y a de grandes chances qu'il fasse quand même plus chaud que si vous vous installez au-dessus et ou au nord de la Loire. Donc, si vous ne supportez pas le chaud, évitez les régions les plus chaudes, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Et si vous n'aimez pas le froid, par contre, évitez des régions qui pourraient être réputées plus froides. Je pense à l'Alsace, je pense aux Hauts-de-France, encore que, là encore, hein, les hivers... moi je suis dans le Bourbonnais, on avait dans le passé des hivers où on avait des températures négatives qui descendaient allègrement et assez régulièrement en dessous de moins 10, moins 15, voire plus bas. Et j'ai échangé très récemment avec un Bourbonnais qui travaille dans l'agriculture et pour les agriculteurs la température c'est très important. Et qui me disait que l'hiver dernier, il y a eu beaucoup plus de journées à plus que 20 degrés qu'en dessous de 5 degrés. Il ne parlait même pas de température négative. Hein. Ça veut dire que le dérèglement est là hein, et qu'on verra dans d'autres visioconférences toute l'importance qu'il va y avoir à prendre ces choses-là en considération. Mais il faut vraiment, vraiment maintenant être bien attaché à bien sélectionner l'endroit où on va aller et entre autres choses, faire attention à la pluviométrie, hein, puisque le froid, on peut lutter contre, on peut se chauffer, la chaleur, on peut installer des systèmes passifs avec... des isolants qui seront à fort déphasage. On peut avoir des conceptions architecturales, améliorer les conceptions architecturales pour faire que ça se passe mieux. On peut avoir des actions, hein, plus difficilement que contre le froid, mais on sait. Hein, on peut planter des arbres, générer de l'ombre, etc., l'évapotranspiration des arbres. Bref, mais par contre, si vous voulez faire un petit peu de production alimentaire pour vos besoins, hein, tout simplement. Hein. Donc, et que vous n'avez pas d'eau, nous, cette année, l'année dernière, ça fait 3 années successives où voilà, il n'y a pas d'eau, il pleut pas. Là, depuis le 1er septembre, j'y regardais ce matin, parce que je note très régulièrement, on a une pluviométrie de mémoire, je peux y aller voir, je vais vous dire ça.
voilà, la pluviométrie, pour ce, voilà, je reviens. Pour ce mois de septembre, nous avons en 16 jours 7 mm d'eau en deux fois. Donc autant dire rien. Hein. Hier, on a eu un petit coup d'orage, 2,5 mm d'eau. Ce matin, c'est rien produit. Alors, j'avais fait des panais, par exemple, dans mon jardin. J'adore les panais. Et hier soir, je me suis dit, tiens, je vais goûter le premier panais de la saison. J'ai sorti mon panais, quoi. Oh, ben, il est gros comme une noix. Voilà, il semblait joli comme ça, mais il n'y a pas de racines, il n'y a rien dessous, parce qu'il n'y a pas eu d'eau, parce que, voilà, il n'a pas pu se développer. Donc, choisissez des régions où vous avez quand même de l'eau. Ou autrement, on verra en d'autres circonstances, mais prévoyez de capter l'eau. Alors, entre-temps, Guillaume m'a dit que nous avions une question. Alors, est-ce que tu peux remettre le micro et nous dire la teneur de cette question, Céline, s'il te plaît ? Alors, nous avons une question de Jackie Georges qui demande quelles sont les menuiseries les plus pertinentes pour rénover, bois, alu ou PVC ? Bois, alu, PVC. Alors, tout est... C'est une question très large. Hein. Tout est plus pertinent qu'une menuiserie qui n'assurerait pas l'étanchéité à l'air, qui fuirait... au niveau qui laisserait des courants d'air s'opérer, parce que face à des défauts d'étanchéité, il est très, très, très difficile d'organiser quelque chose qui va nous permettre d'atteindre un niveau de confort correct. Donc, toutes les menuiseries neuves, qu'elles soient en bois, en alu ou en PVC, assureront ça. Après, la menuiserie, elle a un vitrage. Alors qu'elle soit en bois, en alu ou en PVC ou en mixte, hein, parce qu'il y a les bois alu, il y a les PVC alu, on peut tout mixer, ce seront toujours les mêmes vitrages qui seront dedans. Hein. Donc il faut choisir des vitrages qui répondent aux besoins. Alors on a tendance à aller vers le triple vitrage. Bon, le triple vitrage, pourquoi pas ? Le triple vitrage est intéressant pour lutter contre le froid. Le froid devient de moins en moins la problématique numéro un. La problématique numéro un, c'est le chaud. Et pour lutter contre le chaud, eh bien, le triple vitrage ne va pas changer grand-chose à l'affaire. Pour lutter contre le chaud, il faut des vitrages peu émissifs. Hein. Donc peu émissifs, c'est-à-dire qu'on va avoir dedans un film qui va améliorer la gestion de la migration des UV, hein, entre autres, et des infrarouges. Et donc, on va avoir moins de chaleur qui va arriver par rayonnement selon le type de vitrage qu'on va choisir. Alors, si on veut lutter contre le chaud, on va pendre avec très faible émissivité. Sachant que si on a un ralentissement des apports solaires l'été, eh bien, on les a aussi l'hiver. Hein. Donc, peut-être prévoir du vitrage peu émissif sur le sud, c'est pas forcément idiot, est et particulièrement ouest, pourquoi pas, au nord, ça changera pas grand-chose. Par contre, au nord, un triple vitrage peut trouver son intérêt, alors qu'au sud, bon, franchement. Hein. Donc, vous voyez, au niveau des vitrages, déjà, il y a plein de points dont il faut, auxquels il faut faire attention. Hein. Alors après, en ce qui concerne les châssis, ils assureront tous l'étanchéité, ça je vous l'ai dit. Par contre, globalement, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des générations futures, et nous avons tous à mener une action et à tendre vers, je l'aborde largement dans mon livre, Les maisons écologiques, Maison écologique, les bonnes questions, et encore plus largement, si vous voulez, dans la mesure où, voilà, je vous en fais la lecture, ce livre a été préfacé par Philippe Madec. Alors, je vous lis deux ou trois phrases. Claude Lefrançois s'attelle à une tâche historique, participer à la construction d'une culture commune de l'action éco-responsable
en termes de construction, il est indispensable que les bâtisseurs assument leurs responsabilités majeures dans le dérèglement planétaire. Le secteur de la construction et du bâtiment est resté longtemps hors radar des analyses d'impact environnementaux, alors qu'au niveau mondial, les bâtiments représentent près de 40% des émissions de gaz à effet de serre et 36% de la consommation totale d'énergie. Enfin, tout est dit. Hein. Le bâtiment a cette responsabilité. Enfin, nous, au travers de nos bâtiments, avons cette responsabilité-là. Et choisir du bois, de l'alu ou du PVC, c'est forcément pas anodin. Le bois, il a pour contrainte... parce que pourquoi ne choisit-on pas le bois? Alors on nous dit, ouais, parce qu'il n'est pas durable. Ouais, ok, j'ai vu des menuiseries qui étaient encore en état très correct, de leur qualité proche d'origine. Hein. Elle n'était pas étanche, mais elle ne l'était pas à la construction. Une menuiserie à gueule de loup, elle n'a jamais été étanche. Elle n'est pas en vieillissant, si elle ne l'était pas au départ. Mais je vois des menuiseries qui ont des fois 50, 60, 70 ans et qui sont encore très, très, très correctes. Hein. Donc c'est quand même un temps très long. Est-ce que des menuiseries PVC tiendront ces 50, 60, 70 ans? Aujourd'hui, on n'a pas le recul pour le dire. Hein. On ne l'a pas. Hein. Et personnellement, quand je vois comment se dégradent des équipements de jardin en PVC qui sont peut-être d'une qualité un peu moindre, je me dis que ce n'est pas gagné pour que ça dure très longtemps. Alors par contre, ce qui est certain, c'est que le PVC est issu du pétrole, c'est de la pétrochimie. Quand on fait une je fais le choix d'une menuiserie PVC, inconsciemment, à notre corps défendant peut-être, n'en demeure pas moins que c'est quand même ce que l'on fait, on favorise l'industrie pétrochimique qui a pour principal objectif de nous fournir en carburant, en énergie pour le chauffage, etc., et génère des sous-produits. Hein, quand on fait du raffinage, on a des sous-produits. Et dans ces sous-produits, eh bien, y en a certains qui vont nous permettre de faire du PVC. Et donc, faire le choix d'une menuiserie PVC, c'est forcément permettre à l'industrie pétrochimique et pétrolière en amont d'avoir des coûts de revient qui seront en partie amortis par ces menuiseries PVC. On a d'autres dérivés, hein, tous les plastiques, les polypropylènes, etc., toutes ces choses-là, les mousses PE, PU, chaque fois qu'on consomme un dérivé de la pétrochimie, et c'est forcément soutenir cette industrie qui est quand même celle qui est à la base du dérèglement climatique. Le principal des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien toute cette ressource fossile, ce carbone qui a été piégé au carbonifère il y a entre moins 300 et moins 360 millions d'années, donc qui a permis d'avoir un certain équilibre de l'atmosphère avec des teneurs en gaz qui sont ce qu'elles sont, mais qui ont fait que la vie s'est développée comme elle s'est développée, que le climat est ce qu'il est, et que nous sommes adaptés à ce climat. Eh bien, quand en très peu de temps, en moins de 100 ans, on relâche, c'est quand même ce qu'on a fait, on relâche environ 50% de ce qui a été stocké pendant 60 millions d'années. Ben forcément qu'on génère un déséquilibre extrêmement rapide et opter pour une menuiserie PVC, c'est quand même favoriser un peu ça. Donc je ne peux pas, moi, vous dire « faites avec du PVC, c'est pas grave ». Non, c'est un choix qui n'est pas ridicule, qui n'est pas idiot, mais il n'est pas pertinent sur le plan environnemental. Donc après, on a aussi l'option de l'aluminium. Alors l'aluminium, ce n'est pas pour les mêmes raisons, encore que. L'aluminium nécessite énormément de ressources en eau. Vous le savez, j'en ai déjà un peu parlé, l'eau va quand même être le combat du futur. Hein. On va en manquer. Alors, ça ne veut pas dire quand on consomme de l'eau pour faire de l'aluminium, pour fabriquer de l'aluminium, j'ai plus le rapport des tonnes d'eau pour une tonne d'aluminium, c'est monstrueux. Hein. Ça ne veut pas dire que cette eau, elle n'existe plus. Soyons clairs, l'eau... Depuis les dinosaures, peut-être même avant, mais bon, au moins depuis les dinosaures jusqu'à maintenant, je crois qu'au centimètre cube près, il y a la même quantité d'eau sur Terre. Ça ne bouge pas. Hein. Elle est soit sous forme d'eau, quand elle est sous forme d'eau, elle est sous forme d'eau douce, sous forme d'eau salée, quand elle est gelée, elle est
sous forme de glace, elle peut être sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, les nuages, etc. Dans nos maisons, on a couramment des teneurs en vapeur d'eau qui atteignent 50, 55, 60%. Et alors, c'est pas beaucoup, mais par mètre cube d'air, par kilo d'air, c'est-à-dire en gros par 0,7 mètre cube, on a, allez, on va dire, c'est 5, 6, 7, 8 grammes d'eau. Voilà. Alors, c'est pas énorme, mais tous les mètres cubes d'atmosphère que comporte l'enveloppe de la Terre, eh bien, c'est des milliards et des milliards de mètres cubes, donc c'est forcément beaucoup d'eau sous forme de vapeur. Hein. Et donc, cette eau-là, que vous fassiez, qu'on en consomme pour la boire, qu'on en consomme pour faire pour produire de l'aluminium ou refroidir des centrales nucléaires, il y en aura toujours la même quantité. Sauf que quand elle est utilisée pour un emploi, elle n'est pas disponible pour un autre. Quand on l'utilise dans l'industrie, on la rejette rarement aussi belle que quand on l'a captée. Donc après, il faut que la nature, elle tente de la nettoyer, l'épurer, etc., sachant que le plus fin du plus fin, eh bien, c'est l'évaporation, le transport sous forme de nuages, des précipitations. Ça, c'est le plus beau nettoyage de l'eau que l'on peut faire. Hein. Et donc, choisir des menuiseries aluminium, c'est favoriser l'extraction minière. Les teneurs en minerais sont de plus en plus faibles. Il faut aller chercher les minerais de plus en plus profondément. C'est une consommation d'énergie. Il faut transporter. Alors, quand on consomme de l'énergie pour avoir beaucoup d'extraction, enfin de volume de terre pour avoir un peu de minerais, c'est aussi beaucoup de pollution. Hein, vers Gardanne et autres, on a tous entendu parler des baux rouges. Donc, c'est pas anodin. Hein. Donc, faire le choix de l'aluminium, je peux le comprendre sous certains aspects, notamment architecturaux, pourquoi pas, mais ça n'est pas anodin. Il faut savoir qu'on a un impact. Et c'est à chacun de poser le curseur où il croit que ça va être bien pour lui, pour la planète, etc., ce qu'il accepte de faire en termes de pollution. Et après, ben, on a le bois. Alors, le bois, ben, c'est sûrement globalement le plus vertueux. Par contre, c'est aussi les menuiseries qui nécessitent le plus d'entretien. Donc, est-ce que je suis prêt? Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. On a des peintures qui ont été améliorées. On a, voilà, alors, bien évidemment, restons dans les peintures bio. Hein, pas question d'aller vers des résines synthétiques ou je ne sais quoi. C'est pas le but. Hein, en tout cas, pas bien. Et ce n'est pas moi qui vous dirais de vous tourner vers ça. Mais néanmoins, il y a quand même un peu d'entretien. Alors, on peut limiter cet entretien en optant aussi pour des menuiseries mixtes, bois-alu. Donc, à ce moment-là, on va limiter l'aluminium, donc on va limiter les extractions, on va limiter les consommations de ressources et d'énergie pour produire l'aluminium, puisque c'est juste un tout petit parement, donc c'est très peu de choses. C'en est quand même, mais c'est peu de choses qui va être posée contre ma menuiserie bois, laquelle va assurer toutes les fonctions de support du verre, d'étanchéité à l'air, de rupteur de pont thermique, etc. Donc elle va jouer sa fonction totale vis-à-vis de mon confort, mais elle ne va pas se dégrader, cette menuiserie, puisque les UV, les infrarouges, tout ce qui va venir, enfin c'est surtout les UV qui arrivent, les infrarouges c'est plus pour transporter la chaleur, tu te mélanges les pinceaux, papy, là. Donc les UV vont dégrader l'aspect de ma menuiserie. Et si j'ai un parement aluminium, mon bois n'étant pas touché par les UV, je n'ai pas d'entretien. Donc là on a le meilleur des mondes. Alors par contre elles sont effectivement un peu plus chères. Bon. Donc à partir de là, est-ce que vous voulez favoriser la planète, favoriser votre porte-monnaie, faire que vos enfants, vos petits-enfants, et vous-même d'ailleurs, parce que là, on a quand même des années à vivre, hein, on soit le mieux possible sur une planète qu'on aura le moins dégradée. Ces choix-là, on est face à nos responsabilités, hein, à un moment donné, je crois qu'il va falloir qu'on,
qu'on accepte ça. Hein, on a des responsabilités et il faut qu'on les assume. Donc, alors je sais pas si Jackie, j'ai apporté les réponses à toutes vos questions. En tout cas, c'est je pense la réflexion qu'il faut que l'on ait. Hein. Et que peut-être à un moment donné il faut que l'on fasse le bon investissement au bon endroit pour notre bien commun qu'est l'environnement, qu'est la planète et sans oublier notre confort qui ça c'est notre bien personnel hein. Donc personnellement j'ai opté pour des menuiseries bois apparemment alu, voilà. Ça, c'est le choix que j'ai fait, moi. Donc, après, je ne dis pas que c'est le choix parfait, hein, pas du tout. Mais je l'ai trouvé comme étant pertinent. Et je vous incite à aller vers des choix de ce type-là. Et après, si vous n'êtes pas rebuté par un petit coup d'entretien tous les 3, 4, 5 ans, vous n'êtes pas obligé de repeindre vos menuiseries tous les 2 ans non plus, hein, ni encore moins tous les ans, faites de la menuiserie bois, tout simplement. Et quant à savoir, est-ce que je dois prendre un bois exotique ? Ben non, utilisons des essences locales. Est-ce que je dois prendre du chêne ? Oui, pourquoi pas. Mais on a des pins sylvestres, pins de Carélie, etc. Il y a beaucoup de résineux qui ont d'excellentes capacités à faire des belles menuiseries, qui sont très fortement chargées en résine et qui ont une très bonne protection à long terme. Ok. Alors, c'est oui, quoi nous la... Nous avons Berlioz Vega qui demande que penser de menuiserie brute sans peinture, mais en bois imputrescible, genre acacia ou châtaignier. Ouf. Alors, un bois imputrescible, c'est un bois qui va résister plus longtemps. Maintenant, l'acacia, j'ai jamais vu de menuiserie en acacia. Est-ce que c'est possible de faire des menuiseries en acacia ? Si ça l'était, je pense que ça se pratiquerait. L'acacia, c'est un bois qui est très bien pour faire des terrasses, hein, des planchers de terrasses, etc. C'est parfait. On l'utilise relativement court parce que c'est un bois qui a une fibre qui se décolle assez facilement, qui génère assez facilement des éclats qui vont nous faire possiblement des échardes, et c'est un bois qui travaille. C'est pas vraiment ce qu'on cherche pour les menuiseries. Pas vraiment. Hein. Un bois comme le châtaignier, effectivement, il est réputé beaucoup plus imputrescible que certains autres. Par contre, le châtaignier est bourré de tanins. Donc, vous allez avoir des menuiseries qui vont avoir des aspects qui vont pas forcément être très, très, très sympas dans le temps. Donc, je vous redis, pour l'acacia, donc le robinier, faux acacia, etc., ces essences-là. Je ne suis pas suffisamment féru de bois, même si j'ai quand même quelques connaissances dans le domaine, pour pouvoir dire si on peut raisonnablement faire des menuiseries avec. J'ai quand même des gros doutes. Le châtaignier, je ne suis pas convaincu qu'il va être facile de trouver des bois longs qui va en être sans nœud. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'étais prêt à dire, c'est-à-dire que on fait des menuiseries de plus en plus grandes. On les fait avec de moins en moins de petits bois qui venaient créer des rupteurs de longueur de bois, hein, parce que on faisait une mortaise, ça enlevait un petit peu du nerf du bois, etc. Ça faisait que les menuiseries travaillaient moins. On travaillait avec des bois, moi j'ai connu les menuiseries de 37 mm. Aujourd'hui, on est plutôt sur le 57, 67 mm. Donc, on a des bois beaucoup plus gros, hein, des sections beaucoup plus importantes, parce qu'on a des vitrages qui sont beaucoup plus lourds, parce qu'on a des ferrages qui, pour tenir les menuiseries, sont aussi beaucoup plus conséquents. Donc, il faut pouvoir fixer tout ça, hein, et porter tout ça. Donc, ça veut dire qu'on a des dormants, des ouvrants, hein, des châssis qui sont avec des sections plus importantes. Et pour pouvoir disposer de bois sans nœud, parce que le nœud, lorsqu'on ne peut pas avoir une mortaise qui va peut-être
casser un peu le nerf du bois, parce qu'on a un vitrage qui fait 1,50 m de haut et pas de petit bois au milieu, hein, ben, voilà, c'est comme ça. À ce moment-là, on travaille avec des bois qui sont des collés, hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec des petites longueurs de bois de 50-60 cm. Je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas des plaquettes. Je ne sais plus, ça porte un nom, je l'ai mangé. Là, d'un coup, je l'avais il y a deux minutes, je ne l'ai plus en tête. Donc, en fait, ce sont des bois qui sont aboutés, hein, qui sont aboutés tous les 50, 60, 80 cm, qui permettent d'utiliser des sections de bois en éliminant toutes les parties trop nerveuses qui vont nous engendrer une déformation. Et également, on a souvent deux ou trois plaquettes qui sont collées les unes contre les autres, hein, et qui vont faire que la déformation, à un moment donné, si on a un bois qui fait 60 mm d'épaisseur, j'arrondis, hein, que j'ai 3 fois 20 mm d'épaisseur qui sont contre-collées les unes contre les autres et que j'ai des longueurs aboutées qui sont de l'ordre de 50-60 cm, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, en plus, souvent, on décale les aboutages, hein, donc ce bois ne se déforme plus. Donc, peut-être que, vu sous cet angle-là, avec du robinier, du faux acacia, on peut faire des menuiseries. Mais très sincèrement, je n'en ai pas connaissance. Alors, pourquoi pas, hein. Après, est-ce qu'on va pouvoir ne pas les entretenir? Puisque la question était, est-ce que je peux ne pas les peindre? Ou qu'est-ce qui va se passer si je ne les peins pas? Ben, il va se passer ce qui se passe avec tous les bois qu'on ne peint pas, hein. Ils vont grisailler, ils vont, si c'est du châtaignier, par exemple, qui a beaucoup de tanins, il va y avoir des traces de tanins. Si c'est du chêne, il va aussi y avoir des traces de tanins. Alors, est-ce que c'est dramatique? Non. Est-ce que c'est une atteinte à la solidité des bois, à leur pérennité? Non. Mais d'un point de vue visuel, chacun doit savoir où il met le curseur, ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Donc, c'est plus ça, la question vis-à-vis des essences. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'il y a une autre question qui se ferait jour? Alors oui, il y a en réalité plusieurs questions. Oui. Dont plusieurs de Jackie Georges de nouveau, qui aimerait comprendre la percée des volets aluminium sur le marché, étant donné que c'est un matériau très conducteur. Quels sont leurs avantages? Et la même personne souhaiterait également savoir quelle est la meilleure protection en termes de durabilité pour les bois placés à l'extérieur, peinture versus l'azur. Alors, la lasure, la différence entre les deux, si vous voulez. Voilà. Alors, on traite cette question-là. Voilà. La différence entre une lasure et une peinture. Une lasure n'est absolument pas filmogène. Une lasure, c'est une imprégnation que l'on va faire au niveau du bois. Et donc, cette imprégnation, elle va pénétrer le bois, hein, et elle va amener une protection à l'intérieur, dans les veines du bois, et il ne va pas y avoir de dépôt filmogène. Et elle va laisser l'aspect bois très visible. Hein. On va voir les veines de bois, on va voir les nœuds, etc. Elle peut être teintée, donc on peut mettre des teintes qui vont nous amener des aspects différents du fait de ce côté colorant. Hein. Mais la protection, elle est quand même toujours à cœur. Et une peinture, elle a plutôt tendance à... C'est quelque chose où on fait un dépôt de matière qui va protéger. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. D'un côté, on rentre dans la matière. De l'autre côté, on fait un dépôt dessus. Alors, au niveau des protections, je dirais que par expérience, et pour avoir quand même été constructeur de maisons en ceinture-bois, avoir fait pas mal de chalets pour des clients dans des zones montagneuses où on a des UV de façon plus importante qu'en bas, qu'au niveau de la mer, etc. Donc, les deux se rejoignent. Par contre, au niveau des peintures, on a des compositions de peintures qu'on appelle les peintures suédoises, qui sont faites à base de farine, etc., qui sont quand même... qui ont une très bonne tenue dans le temps. Des fois, c'est surprenant. On dit « Ah, mais c'est pas possible. » Et si, ça tient. Ça tient même très bien. On peut les colorer avec des pigments naturels. Et donc, on est forcément plus vertueux que si on se tourne vers la pétrochimie.
Après, on peut aussi protéger les bois avec des huiles, hein, des huiles dures, l'huile de lin, l'huile de chanvre, etc. Donc, on va amener une protection. Alors, sachant que ça ne va pas changer grand-chose à la durabilité des bois. Je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé en montagne, notamment en Haute-Savoie, par exemple. J'ai habité sur Thonon, et on a Avoria, hein, au-dessus de Morzine. Voilà, Avoria, très célèbre. Avoria, ce sont des bois bruts. On approche les 2000. Hein, j'ai plus l'altitude d'Avoria. C'est une station qui a été créée début des années 60, je crois. Aucun bois n'a été protégé d'aucune sorte. Donc, on a travaillé avec des essences qui résistent assez bien. On a travaillé avec du Douglas. Hein, donc, alors, le Douglas, il faut savoir qu'il est autoprotégé quand on purge le Douglas de tout son ovier. Hein, toutes les parties blanches du Douglas ne sont pas protégées, hein, puisque ce sont des composants qui se retrouvent dans le bois, mais qui ne sont pas dans le bois en cours de développement, hein, qui ne sont que dans le cœur du bois. Et donc, avec le Douglas, c'est très difficile, c'est très facile de faire la différence entre les deux. Le Douglas, quand on l'achète, il est rose. Et les parties qui ne sont pas protégées sont blanches. Donc, si vous avez du blanc dans du Douglas, ben celui-là, il n'est pas protégé. Voilà. La partie blanche ne l'est pas. Mais par contre, pour le reste, il est bien protégé. Et effectivement, ben, ça fait maintenant 60, une bonne soixantaine d'années que c'est fait. Et bon, c'est gris. C'est très gris. Alors, on aime, on n'aime pas. Ça, on est totalement dans le subjectif. Mais par contre, les bois sont là. Je disais, et je vais vous dire la même chose que je disais à mes clients quand ils me disaient « Bon, j'ai envie de mettre un bardage mélèze, par exemple. » Bon, il faut en trouver maintenant, hein, ça devient difficile. « Ou Douglas, parce qu'on m'a dit que ça tenait mieux que du bardage sapin. » Oui, du bardage sapin, ça va tenir 60 ans, hein, si on l'a posé correctement, voire plus. Et du mélèze, 80, 90 ans. Donc, de toute façon, ça va être une durée de tenue dans le temps qui va être longue. Donc, on a une pérennité. Elle est là. Hein, les gens qui disent le bois, c'est pas durable. Non, taratata, c'est pas vrai. C'est moins durable que du crépi. Ben, des crépis de 50, 60, 70 ans, j'en connais beaucoup, ils sont pas regardables. Hein, et ils sont pas plus beaux que des bardages. Hein. Donc, non, là-dessus, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. Balle au centre, là, personne n'emporte le match. Hein. Donc, avec quoi l'entretenir ? Il faut vraiment, vraiment, là, aller... Alors, je vais vous donner un conseil. Allez voir des négoces de matériaux bio qui se sont fait leur religion d'opter pour des matériaux, de se renseigner, de vraiment choisir, sélectionner et de ne vous proposer que des matériaux qui sont passés par leur fourche caudine de la sélection. Hein, je ne veux pas vendre quelque chose qui vienne impacter gravement la planète. Et bien ça, vous ne le trouverez pas chez les négoces bio. Les négoces bio vont vous vendre des matériaux respectueux de l'environnement en général et du vôtre en particulier. Et en fonction de votre région, là encore, on disait tout à l'heure, l'implantation géographique, le climat, etc. Ben, si vous êtes en bord de mer, c'est des embruns qu'il va falloir vous protéger. Si vous êtes, comme moi, en milieu, en climat continental, on va avoir d'autres contraintes. Et si vous êtes en climat de montagne, vous allez encore avoir d'autres contraintes. Donc, le négoce bio local est le plus apte à vous conseiller au mieux. Moi, je vous ai donné des grandes pistes, mais je n'ai pas donné de réponse parce que il n'y a pas une, mais des réponses qui sont liées aux contraintes environnementales, aux contraintes climatiques, à vos objectifs, à vous. Hein, parce que je ne veux pas avoir un chalet, une maison qui vienne grise. Ok, d'accord, c'est mon choix, il est respectable. À partir de là, monsieur, comment je fais ? Ou madame, comment je fais ? Ben, est-ce que vous voulez voir les veines du bois ou est-ce que vous êtes prêt à avoir plutôt quelque chose qui a un aspect uniforme, qui peut être bleu, vert, rouge, blanc, voilà, en fonction des pigments qu'on aura utilisés ou pas. Si c'est l'un, si vous voulez voir les veines de bois, ben, ça sera plus éventuellement une huile dure. Hein. Il y a des lasures bio, ça existe. Hein. Sinon, ça sera une peinture.
voyez vraiment, allez voir vos négoces bio. Alors oui, ça va être un peu plus cher peut-être, mais Pierre Rabhi disait, et il le dit encore je pense, quand je vais chez mon commerçant local, j'accepte de payer une TRA supplémentaire. C'est la taxe au relationnel ajouté. Eh bien, vous avez une relation avec votre négoce bio qu'il me semble plus difficile d'avoir chez les bricomachins, bricotrucs, hein, qui ont leur raison d'être. Ils n'en sont pas là pour dire que c'est mal, mais ils sont quand même moins au fait. Quand vous voulez acheter du bio, si vous allez dans une grande surface d'une grande chaîne, peu importe, on ne dira pas de nom, il y a quand même des chances que ça ne soit pas tout à fait la même chose que dans une biocoop, quoi. Donc, si vous avez une sensibilité écolo, allez chez les bio. Et j'espère que vous l'avez, parce qu'on est tous sur une même planète et on est tous embarqués sur le même bateau et on a les mêmes tempêtes qui se présentent à l'horizon. Alors, voilà ce que je pense au niveau des peintures. Alors, au niveau des protections, les volets, etc. Alors, il faut savoir de quelle protection on parle. Vous prenez les pays nordiques, par exemple, qui sont réputés plus froids que nous, il n'y a pas de volets. Ah ben mince alors. Et ben pourtant, on me dit que ça protège du froid. Ben oui, peut-être, mais je ne suis pas si sûr que ça. Et je vais vous développer pourquoi. Par contre, vous allez dans les pays du Sud, il y a des volets. Ah ben tiens, c'est pas du froid que ça protège. Eh ben non, ça protège du rayonnement solaire direct. Voilà. Donc, les volets, leur principale raison d'être, les volets ou les persiennes ou les stores, voilà, il y a plein de systèmes, c'est pas tant de protéger contre le froid parce que, effectivement, je crois que c'est Jackie Georges qui nous a posé cette question. Vous avez raison, Jackie. L'aluminium, c'est très caloporteur. Bon, on nous met des manteaux qui sont faits de plaquettes qui avoisinent les 6, 7, 8 mm d'épais avec une feuille d'aluminium qui fait 3 dixièmes et puis un peu de mousse là-dedans. Et on nous dit, oh, avec ça, vous allez vous assurer une protection contre le froid absolument extraordinaire. Alors, ce n'est pas étanche-au-vent. C'est des matériaux très caloporteurs, l'aluminium. On met dedans de la mousse. Alors là, on a l'aluminium, la production de l'aluminium. On a la mousse qu'on va mettre dedans. On fait appel à la pétrochimie. Donc, pour moi, ne serait-ce que pour ces deux raisons-là, déjà, c'est classé. Hein. Moi, j'en veux pas. Hein. Ça classe déjà un petit peu. Et quant à la protection contre le froid, eh ben, si vous voulez, vraiment, mon sentiment, si vous me posez la question, j'imagine c'est pour ça d'ailleurs, eh bien, les volets, c'est pas la meilleure protection contre le froid. La meilleure protection contre le froid, c'est des doubles rideaux. Pourquoi ? Les volets, c'est forcément, à un moment donné, on nous parle de volets roulants, de volets en pilage, etc. Il y a plein de solutions, mais on a toujours un coffre à voler. Et ce coffre, il est dans l'épaisseur du mur. Et en règle générale, le mur, il a besoin d'être porteur, il a besoin d'un linteau, qu'il soit en béton, qu'il soit en brique, qu'il soit en bois, qu'il soit en ce que vous voulez. À un moment donné, il faut reprendre les charges. Et c'est un linteau. Et ce linteau fait qu'on a une épaisseur minimale mécanique à conserver. Donc, où mettons notre coffre à volets roulants ? Alors, la sagesse serait de dire, ben, on va le mettre à l'extérieur, puisque je veux avoir une isolation correcte, puisque je veux mettre des volets, puisque ce qu'on nous dit, ça isole. Hein. Donc, je ne veux pas faire créer un pont thermique. Eh ben, sauf que le seul moyen de le faire, c'est de mettre, on ne peut pas le mettre en substitut dans le mur, puisqu'on a besoin d'avoir je voyais un slide qui change, ça me perturbait. On a besoin d'avoir une résistance mécanique et une tenue de l'ouvrage. Donc, ce que je vous disais, voilà, le linteau, il est là, on ne peut pas l'enlever. Les poteaux qui portent le linteau, on ne peut pas les enlever. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon rail qui a besoin d'un caisson, si je veux être sage, je ne vais pas non plus manger sur mon épaisseur d'isolant. Donc, je vais devoir mettre mon caisson en surépaisseur à l'extérieur. Alors, si je fais ça, effectivement, pourquoi pas ? Mais qui accepte d'avoir, et est-ce que vous avez déjà souvent vu, des caissons de volets roulants en saillie sur le parement final du mur ? Ben, moi, pas. Hein ? Et donc, à partir de là, ce volet va être une faiblesse dans le manteau isolant.
Donc la soi-disant économie ou la soi-disant performance isolante qu'on aura gagnée, parce que oui, on peut aligner des chiffres, on peut dire bah, la mousse qui a été mise, elle a quand même un certain lambda, donc etc. etc. Oui, on peut additionner des pouillèmes, mais qui prend en compte la soustraction des pas à pouillèmes pour le coup, hein, parce que le pont thermique, il est gros, qu'on a généré par moins d'isolant dans le manteau en continu. Parfois, on nous dit « Ah, mais au lieu d'avoir 12 ou 15 cm de manteau isolant continu, c'est pas grave, à cet endroit-là, on va mettre 3 cm de mousse PU. » Ah, ben 3 cm, c'est pas comme 15, hein. Ou on va mettre 3 cm de laine de bois. C'est super isolant, la laine de bois. Ben oui, je conteste pas. Bien évidemment que c'est un super isolant. Mais 3, c'est moins que 15. Donc, voilà. Et est-ce que, au nom de ce qu'on a gagné sur le volet, on n'aura pas eu plus de pertes sur le caisson. Donc, pour moi, le volet, c'est une aberration. Voilà. Thermiquement, l'hiver, ça n'a aucun sens. Par contre, l'hiver, de quoi souffre-t-on ? On souffre du rayonnement qui n'est pas très bon au niveau des vitrages. Hein. On a une effusivité du verre qui n'est pas bonne. Et on dit qu'il y a un rayonnement froid. Il n'existe pas un rayonnement froid. Il y a un niveau de rayonnement qui est plus ou moins élevé. Mais le rayonnement, c'est le rayonnement. Voilà, il n'est pas froid ou chaud. Hein. Mais il engendre une sensation de froid ou de chaud. Ça, c'est vrai. Et lorsque vous vous approchez d'une vitre froide, et l'hiver, ben forcément, elles sont relativement froides, c'est comme ça, eh bien, ça vous capte vos calories de surface de votre peau et vous avez une sensation de froid. Et il faut mettre une interface entre la vitre et vous. Et cette interface, il est parfait avec des volets intérieurs. Très bien. Mais à ce moment-là, il faut choisir des volets à très forte effusivité, donc en bois, par exemple. Hein. Autrefois, on avait les volets intérieurs en bois. C'était très intelligent. Ça marche. Et le double rideau, comme son nom l'indique, c'est deux tissus cousus l'un contre l'autre et qui vont emprisonner de l'air dans leurs fibres déjà, mais entre les deux épaisseurs. Et cet air rendu captif, lui, il a une fonction d'isolant. Oui, il a une réelle fonction d'isolant. Les tissus, s'ils sont bien choisis, ils auront aussi une effusivité de très haut niveau. Et là, d'un coup, vous allez améliorer votre confort. Et votre confort va être amélioré sans avoir porté atteinte à la continuité du matelas isolant qui est nécessairement dans l'épaisseur du mur, pourquoi pas, qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur, mais vous ne l'aurez pas dégradé par la consommation d'un caisson de volet roulant. Voilà. Sachant qu'en plus, parfois, et encore assez souvent, on a les caissons de volet roulant qui sont mis à l'intérieur de l'habitat, le volet roulant qui est déroulé à l'extérieur, et pour le coup, alors là, les échanges et l'étanchéité au vent des caissons de volet roulant dans cette situation-là, alors là, c'est une vaste rigolade. Hein. Donc, les meilleurs, pour vous protéger contre le froid, les meilleurs volets sont les doubles rideaux intérieurs, pour le coup. Et par contre, si vous voulez vous protéger du chaud, les meilleurs volets sont des stores extérieurs, tout simplement. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'épais. On a besoin d'avoir quelque chose qui arrête le rayonnement solaire. Le store vénitien fait très bien l'affaire. Alors, c'est sûr que quand je dis ça, je ne suis pas dans le consensus. Oh, je m'en fous un peu, c'est pas grave. Depuis le temps que je rame à contre-courant, et comme disent les Chinois, seul le poisson mort nage dans le sens du courant. Donc, comme je suis bien vivant, je ne crains pas de ramer à contre-courant. Voilà, mais moi je vous dis les choses parce que c'est la physique, c'est la réalité. Et si réellement les volets étaient efficaces, ben, je suis désolé, il y en aurait dans les pays nordiques. Hein, voilà, et il n'y en a pas. Donc, mais par contre, ils occultent. Ils occultent avec d'autres systèmes, notamment des rideaux. Donc autrefois, on n'avait que le rideau, ça se passait très bien. Aujourd'hui, on a des gens qui nous vendent des trucs. Alors, ils ont toujours une bonne raison. Et puis, il y a des lobbyistes qui viennent là et qui développent toutes les bonnes raisons et les meilleures raisons du monde pour qu'on achète leurs matériaux. Ils font leur job. Un industriel, il produit des choses, il doit les vendre. Pour les vendre, il doit vous expliquer que vous en avez besoin. À vous de comprendre que vous avez des solutions meilleures. Mais ce n'est pas forcément facile.
parce que, par exemple, hein, j'ai entendu une coup de gueule la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, hein, contre les 2 milliards, etc., où soi-disant on va révolutionner le monde, etc. Bon, pour ceux qui voudraient savoir ce que j'y ai dit, c'est en ligne. Mais il nous en est arrivé une autre cette semaine. Je n'ai pas fait de coup de gueule parce qu'on ne peut pas passer son temps à ne faire que des coups de gueule, mais je vous le donne en mille. Saint-Gobain, industriel respectable, sûrement, qui produit, comme chacun sait, de la laine de verre sous sa marque Isover, du placo sous sa marque Placo Plâtre, et qui a donc à cœur, et c'est bien normal, de vider ses étagères et de faire que ses usines tournent, parce qu'ils ont des actionnaires qui, eux, attendent des résultats. Donc, il faut faire des ventes. Eh bien, on vient de leur confier les rênes du plan national d'éradication des passoires énergétiques. Alors, ben forcément, hein, je vous le donne en mille, hein, dans les 5 ans, on n'a pas fini d'entendre parler de lambda. Alors que la laine de verre, eh ben, au-delà du lambda, elle n'a pas grand-chose, et que le lambda, puisque pour le futur, c'est ce vers quoi on doit se battre, c'est la chaleur, hein, eh bien, le lambda, au-delà de 27 degrés, il est plus on ne sait plus où il est. Plus personne ne le maîtrise. Hein. Fourier lui-même disait, au-delà de 27 degrés, il faut donner priorité à la chaleur spécifique d'un matériau et à la densité du matériau. La chaleur spécifique, c'est quoi? C'est le nombre de joules, donc d'énergie quelque part, hein, qui est nécessaire pour faire passer un kilo de matériau, le faire monter de 1 degré, non pas Celsius, mais Kelvin. Voilà, de 1 Kelvin. Hein. La laine de verre est faite avec du verre. Hein, et pour monter de 1 kilo de verre de 1 Kelvin, il faut environ 800 joules, 800 à 850 joules, selon la qualité du verre. Pour faire monter de 1 Kelvin 1 kilo de bois, il faut 2000-2100 joules, c'est-à-dire environ 2,5 fois plus de chaleur pour faire monter de 1 kilo un matériau. Et comme une calorie ne peut être qu'en un endroit en même temps, si quand elle pénètre dans votre toit, puisque l'été c'est dans le toit que ça se passe, hein, donc là je suis passé des volets au toit, mais parce que on nous amuse un peu, hein, et je respecte tout à fait votre question, Jackie. Hein, c'est pas de dire vous avez posé une mauvaise question, il n'y en a pas de mauvaise question, sauf celle qu'on a en tête et qu'on ne pose pas. Voilà, ça c'est la base. Mais si vous avez posé cette question-là, c'est que vous vous êtes vous-même posé cette question parce que vous l'avez lu, parce que ceci, parce que cela. Et pendant ce temps-là, eh bien, on n'a pas parlé du toit. Et qu'est-ce qui fuit le plus dans un bâtiment? Quelle est la paroi qui fuit la plus? C'est le toit. Et le toit, ce n'est pas une petite surface. Hein. Et l'été, le toit, il ramasse la chaleur, mais alors plein pot, hein, puisque le rayonnement solaire, on a donc un soleil qui est quasi à la verticale, qui tape bien, bien, bien sur notre toit. On arrête le rayonnement. L'arrêt du rayonnement, pour ceux qui voudraient savoir comment ça marche, je vous invite à aller voir ma vidéo rayonnement, hein, vous aurez quelques infos là-dessus. Hein. Donc ce rayonnement, quand on arrête un rayonnement, c'est une énergie en mouvement. Et lorsqu'on arrête, on a une dissipation de cette énergie sous forme de chaleur. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter la couverture en température. Et cette couverture qui monte en température, alors pour ceux qui ne sont jamais allés sous un toit en période de canicule, moi j'y suis allé. Et j'avais suffisamment d'équipement, j'ai encore, pour pouvoir faire des mesures. Eh bien, quand il fait 40 degrés par temps caniculaire, sous un toit, sous le dernier mètre du pignon, j'ai mesuré, moi, en 2003, l'année de la canicule, dans un chalet à 1100 ou 1200 mètres d'altitude, on avait 73 à 74 degrés. Hein, vous imaginez, hein, quand vous travaillez à 73 ou 74 degrés, vous êtes dans le milieu, là, en train de préparer votre toit pour l'isoler. Sur l'échafaudage, le premier truc que vous montez, c'est la bouteille d'eau, hein, parce qu'il faut boire. Hein. Et donc, c'est 73 degrés, je vous ai dit tout à l'heure, au-delà de 27 degrés, on ne maîtrise plus rien au niveau du lambda. Hein. Eh bien, je vous laisse imaginer à quelle température est l'isolant. Alors, puisque il n'y a pas de chaleur spécifique avec le verre, en tout cas beaucoup moins qu'il n'y en a avec le bois, il faudrait compenser avec de la densité, puisque on nous dit, ouais, mais tu dis des conneries, enfin,
plus souvent, hein, tu dis une ânerie, parce que l'inertie, c'est quand même avec les murs en pierre qu'on l'a. Ah oui, sauf que le mur en pierre, il fait 2 tonnes, 2 tonnes 5 au mètre cube. Donc, si d'accord, voilà, c'est très dense. Et la laine de verre, elle fait combien? 12, 13, 14 kg au mètre cube. Et une laine de bois, ça fait combien? 40, 50 kg au mètre cube. Donc, vous voyez, non seulement on a plus de chaleur spécifique, donc plus de capacité d'accumuler des calories, mais on a aussi plus de densité. Alors, je parle de la laine de bois, mais on va parler tout à l'heure de la laine d'herbe. Il y a la laine de paille, il y a la paille, il y a la laine de lin, il y a la laine de chanvre, il y a la laine de coton. On a beaucoup plus de propositions dans le biosourcé que dans le conventionnel. Hein. Il faut quand même le savoir. Ce n'est pas forcément le biosourcé qui fait les plus grosses ventes, on est d'accord. Hein. Mais pour autant, il y a beaucoup de propositions. Et elles sont pertinentes. Et elles sont bonnes. Hein. Elles sont beaucoup plus durables, beaucoup plus respectueuses de l'environnement et beaucoup plus performantes. Voilà. L'hiver, elles font jeu égal parce que si elles ont un peu moins de lambda, elles ont un peu plus de diffusivité. Donc, elles captent un peu plus la chaleur et la paroi est plus chaude. Et si la paroi est plus chaude, elle rayonne à un niveau plus élevé. Et donc, on a un sentiment de confort qui arrive avec une température moindre, etc. etc. Donc, et on peut... c'est à l'infini. Hein. Mais si je démarre sur l'isolation, on ne m'arrête plus. Et donc... il faut absolument faire le choix des bonnes options. Et si tant est que vous vouliez mettre des volets, à ce moment-là, faites comme dans le sud, mettez des volets en bois, mettez-les avec un système d'oculus qui peut s'ouvrir un petit peu. Hein, on peut très légèrement se protéger du rayonnement direct, mais garder de la luminosité qui entre, parce que ben voilà, on n'a pas forcément envie d'allumer chez soi l'été, parce qu'il fait 40 degrés dehors et qu'on a fermé tous les volets. Mais à ce moment-là, optez pour du bois, puisque votre volet aluminium qui va vous couper du rayonnement solaire, on est d'accord, mais il va le capter en même temps, il va monter en température, et comme l'aluminium, ben, lui aussi, a une chaleur spécifique qui n'est pas terrible, la mousse qui sert d'isolant dedans non plus, elle n'a pas de densité, donc très rapidement la paroi intérieure de votre volet va être plus chaude que si c'est un volet bois qui lui a un déphasage, c'est comme ça que ça s'appelle, pour ceux qui voudraient comprendre le déphasage, qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite aussi à aller voir une de mes autres vidéos qui s'appelle le déphasage, hein. Et là vous verrez que bah, finalement tout ce que la nature nous donne de façon assez simple, hein, le géosourcé, hein, la terre, le pisé, la bauge, etc., le bois, donc là on est dans, du coup dans le biosourcé, hein, les isolants biosourcés, la paille, la laine de foin, chanvre, etc., la chaîne vôtre de chanvre, on a tout ce qu'il faut pour faire des maisons hyper confortables. Alors, on est sorti du construire ou rénover, hein. On est dans la maison écologique globalement, mais c'est le cœur, hein. C'est le cœur, et on peut pas couper une chose d'une autre. Mais bon, je me suis enflammé, je me suis emporté, j'ai digressé. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions, Céline? Alors oui, Claude, nous avons une dernière demande de Julien Vigneault qui prévoit une ITE sur une maison en pierre avec de la ouate de cellulose. Donc, conseillez-vous le mode projeté humide ou insufflé? Alors, je suis quelqu'un qui a... bonne question, Julien. Elles sont toutes bonnes. Sont toutes bonnes. Voilà. Arrêtez ça. Je suis quelqu'un qui a mis en œuvre beaucoup de watts de cellulose. Je suis sûrement un des opérateurs français qui en a le plus passé... C'est difficile de dire, je suis le, mais un de ceux qui ont le plus passé de volume, de tonnes de watts de cellulose. J'en ai aussi fait passer beaucoup, puisque j'ai eu des entreprises, j'ai eu des salariés, j'ai eu des époques où une semi de watts de cellulose ne faisait pas le mois, etc. J'ai beaucoup mis en œuvre par projection humide, j'en ai mis en œuvre par insufflation, j'en ai mis en œuvre par épandage. Alors, est-ce que, déjà on va se poser une autre question, est-ce qu'il est sage et judicieux de faire une ITE,
puis d'isolation par thermique par l'extérieur, sur une maison en pierre. Donc, est-ce que la maison a des murs qui font 50, 60 cm d'épais? Auquel cas, si elle a ça, elle a déjà beaucoup de diffusivité. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de capacité d'accumulation des calories. Les calories vont migrer lentement. Et tout ça est expliqué dans ma vidéo déphasage, même si là on parle de conduction, mais la conduction elle rejoint le déphasage, puisque le déphasage c'est pas une qualité, hein, c'est la résultante de plusieurs critères, de plusieurs qualités d'un matériau. Et donc, ces maisons en pierre, pourquoi veut-on les isoler? Alors, en règle générale, il y a deux raisons. Oh, il s'en rajoute une troisième, mais qui n'est pas bonne, qui est apparue récemment, et on va la traiter tout de suite. C'est pas cher parce que j'ai des aides et des subventions. Alors ça, c'est quelque chose que je ne veux pas entendre. Moi, c'est pas recevable pour moi. Voilà. On fait les choses parce qu'elles doivent être faites. On ne les fait pas parce que c'est une opportunité. Ça, c'est être opportuniste. Alors, être opportuniste, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour la maison? Est-ce que c'est bien pour mon porte-monnaie? Est-ce que c'est bien pour mon confort? Donc déjà, ça, c'est trois questions à se poser. Hein. Sur les trois questions, je ne suis pas sûr que le curseur soit franchement du côté du oui. Il y aurait énormément à en dire. Et très honnêtement, vous allez avoir des réponses dans mon livre, là, Maison écologique, construire ou rénover, qui va être suivi d'un autre après, qui traitera du confort, qui est déjà remis à Terre Vivante. J'en aurai un troisième qui va être dédié à l'isolation et si on faisait fausse route. Alors oui, on est en plein dedans. Il est déjà, lui, écrit pour les trois quarts, les quatre cinquièmes. Et il y en aura un dernier qui sera ma maison idéale. Alors, si le facteur cheval a fait le palais idéal, moi, la maison idéale, vous vous en doutez bien, hein, je ne vous dirai pas telle maison est la meilleure. Je dirais, la maison idéale, elle répond aux critères qui sont des individus, qui sont de la région, qui sont du climat, etc. etc., etc. Et donc, alors, pour revenir à... Et j'ai beaucoup isolé des murs. Hein, donc, je prie certains clients d'excuser ce que je leur ai fait faire. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas fait des catastrophes, hein, j'ai pas détruit des maisons, hein. J'ai essayé de proposer des choses qui soient correctes. Et j'ai pu, des fois, me tromper. Je prie tous ceux à qui j'ai pu porter préjudice de me pardonner. Mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et donc, j'ai été persuadé, comme beaucoup, que le bonheur n'était pas forcément dans le prêt, hein, mais était dans l'isolation. Et que donc, c'était la solution à tous les problèmes. Voilà. Tu veux être bien, t'isoles. Alors, j'ai un article qui va paraître sur mon blog d'ici une semaine, je crois. J'y cite Keynes. Alors, non pas que je sois keynésien, parce que j'ai quelques petits soucis avec l'homme. Voilà. Mais il faut quand même s'inspirer de ce qui est inspirant. Et Keynes explique dans un de ses ouvrages que un banquier sain est un banquier qui, s'il a fait faillite, alors il a des mots beaucoup plus choisis et mieux que les miens, hein, mais un banquier sain est un banquier qui, s'il a fait faillite, l'a fait en respectant les règles, de sorte que lui-même soit en faillite, mais aussi tous ses collègues, mais il l'aura fait selon des règles. Et donc, il ne sera pas blâmable. Et moi, je résume ça en disant, il y a moins de risques à faire mal les choses en se conformant à des règles que de les faire bien en allant contre les règles ou la bien-pensance. Et donc oui, j'étais le nez dans le guidon, j'avais une entreprise, j'étais dans l'isolation, et je disais, il faut isoler, et tant qu'à isoler, il faut isoler bien, il faut isoler avec la ouate de cellulose, il faut isoler avec la haine de bois, il faut isoler avec la haine d'herbe, il faut isoler avec de la chaîne botte de chanvre, avec de la paille, etc. Donc voilà, j'étais dans cette orientation-là. Et aujourd'hui, je dis, il faut traiter thermiquement. Mais il faut arrêter de penser que quand on dit ça, il n'y a qu'une solution, c'est l'isolation. Non, il y a des solutions multiples. Alors, ceci étant posé, je suis incapable, sauf à avoir une analyse complète en amont,
de dire s'il est pertinent ou non d'isoler cette maison. S'il est pertinent ou non de le faire plutôt par l'extérieur que par l'intérieur. Parce que là encore, il y aura beaucoup à en dire. Mais c'est programmé, je vous garantis, on en parlera ici. L'histoire de dire l'ITE, c'est parfait, l'ITI, donc l'isolation thermique par l'extérieur, c'est parfait, l'isolation par l'intérieur, c'est ringard, c'est nul. Ouais, ça va, non, non, surtout pas, hein, mais on ne va pas anticiper. Alors, s'il est admis qu'il faille isoler ce mur, je mets des si, hein, s'il est admis que la ouate de cellulose soit le bon produit, s'il est admis qu'il faille le faire par l'extérieur, faire de la ouate projetée humide, et je suis sûrement, pas forcément celui qui en a fait le plus encore que, ça de, je crois que c'est dans le tiercé, hein. Mais je suis probablement celui qui a fait le plus épais, puisque mon record personnel est à 53 cm sur une hauteur de 1,50 m et sur 60-70 m2. Donc ce n'est pas un coup comme ça, voilà, on fait 1 m2 sur un salon, on joue les caquets. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Hein. Là, ça a vraiment été fait. Sur une de mes vidéos qui présente la ouate projetée humide, je présente aussi cette ouate, ce mur en cours de projection et ce mur un an après, pour faire voir que, ben voilà, non seulement on l'a fait, mais ça a tenu, hein, parce que faire et puis qu'après ça se casse la gueule et on dit oh, non, faut amener les preuves. Donc moi je les ai amenées. Eh bien, faire de la ouate projetée humide, c'est pas rien, et c'est quelque chose qui est très technique. Je le dis, je le redis, je l'ai écrit, je le réécrirai en permanence et longtemps, il faut se faire former. Et même quand on est formé, il y a des contraintes. C'est que la buse, pour être bien, elle doit être tenue à entre 40 et 60 cm du mur, de son support. C'est la bonne distance. Et encore qu'on aille de plus en plus vers des buses de plus en plus grosses. Donc plus la buse est grosse, plus il faut se mettre loin. Et plus la buse est grosse, plus il faut un gros tuyau pour alimenter la buse. Et ce tuyau, il est rigide. Donc lui-même, il fait un coude derrière la buse. Ça veut donc dire que si vous avez 60 cm devant, une longueur de buse qui elle-même fait 30 cm, on va dire 90 cm, votre tuyau derrière, qui est un tuyau de 2 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces selon la taille de votre buse, qu'elle est à 2G, 4G, etc., il va lui-même faire un coude de rayon de 50, 60, 80 cm. Et il va vous falloir un dégagement hors tout obstacle de 1,20 m à 1,50 m. Eh bien, qui a travaillé sur un échafaudage sait qu'il y a des protections devant, il y en a derrière, il y a des montants tous les 2,50 m ou 3 m selon les types d'échafaudage, etc. On est sans arrêt ennuyé. La projection humide, vous avez environ 30% de ce que vous mettez en œuvre qui tombe au sol, que normalement, quand on est à l'intérieur, on récupère et on repasse, on la remélange avec du sec. Là, en extérieur, beaucoup plus délicat, parce qu'il faut installer des systèmes pour que ça tombe bien au sol, pour pas qu'il y ait de vent, parce que sinon, s'il y a du vent et que la voisine a mis, ou le voisin, ne soyons pas sexistes, quelqu'un a étendu des draps blancs. Vous faites de la ouate projetée humide et il y a du vent. Ben, je vous garantis qu'au bout de 2 heures, ce sont des draps de couleur écrue que vous avez. Hein, et ben, le voisin ou la voisine ne sont pas forcément très heureux de ça. Hein. J'ai vu aussi des fois des gens venir me dire « Ah, mais c'est formidable, vous nous avez isolé notre piscine. » Ben, pas terrible non plus. Hein. Donc, on a quand même pas mal de contraintes. Cette ouate, il va falloir ensuite la protéger en refermant avec un pare-pluie, puisqu'on va travailler par l'extérieur. Il va falloir ou un pare-pluie ou une laine de bois suffisamment rigide pour recevoir un crépi. Enfin bref, il va falloir mettre quelque chose pour la protéger. Et aussi longtemps que vous allez, autant de temps qu'il va vous être nécessaire pour faire ça, il va falloir qu'il ne pleuve pas, il va falloir qu'il n'y ait pas trop de vent. Donc vous voyez, on a quand même des conditions assez contraignantes. Hein. Quand vous voulez préparer vos supports qui vont vous permettre d'avoir de quoi recevoir votre pare-pluie ou votre parement. Vous allez devoir mettre du lambourdage, enfin, il y a plein de systèmes possibles, et vous allez devoir travailler avec un vide devant votre échafaudage. Si vous mettez 15 cm, vous allez travailler avec 20 de vide. Mais lorsque vous allez vouloir venir avec votre bus, ben vous n'avez pas assez de recul. Donc, il va falloir reculer l'échafaudage.
Mais quand vous allez vouloir mettre votre parement, votre échafaudage sera plus conforme. Parce que vous aurez trop de vide devant et la sécurité va dire, mais vous pouvez tomber devant. Il va falloir rapprocher l'échafaudage. Le dossier commence à devenir lourd. Hein. Donc personnellement, j'ai fait un chantier de watts de cellulose projeté vide par l'extérieur à 5 mois. J'en ai pas fait deux. Et j'en referai jamais. Parce que c'est trop galère. Il y a trop de contraintes. Et autant la ouate projetée humide par l'intérieur, alors là, banco, des mètres carrés j'en fais, mais alors, j'adore ça. C'est peu compréhensible d'adorer ça, parce que c'est pénible, c'est salissant, c'est fatigant, mais cette satisfaction de voir les murs isolés, là, on l'a devant soi, on le voit, on le touche, c'est pas quelque chose qui est de l'abstrait, on est dans le concret là. Hein. Ça vous coupe le son, ça, etc. Il y a une réverbérance ou réverbération des sons, je ne sais plus comment on dit, qui est complètement coupée. Donc c'est formidable. Mais autant sur les toits, alors là, sur les toits en lieu et place de Sarking, alors, c'est une technique que j'ai développée moi. Alors, bon, effectivement, on me dira, ouais, mais bon, t'es pas Picloud, t'es Claude Lefrançois. Mais je ne comprends pas qu'il y ait tellement de charpentiers qui s'éreintent à faire du sarking, y compris avec des matériaux très respectables. Hein. Je n'ai rien contre les résultats qui seront offerts, mais je dis qu'on peut atteindre des résultats aussi intéressants, aussi performants, avoir un déphasage aussi long, et utiliser moins de matériaux, et là encore on revient vers la frugalité, moins de matériaux de structure, et faire de la ouate projetée huile dans les toits. Alors là, mais bon, on sort de la question. Donc, personnellement, pour isoler un mur par l'extérieur avec de la ouate, je conseille plutôt, avec tous les si que j'ai mis en amont, hein. Est-ce qu'il faut ? Est-ce que c'est bien la solution ? Est-ce que... Voilà, j'ai mis tous les conditionnels en avant. Si réellement c'est le produit qui convient, je le conseillerais plutôt en insufflation sous pression. Voilà, la réponse à la question, une fois de plus un peu longue, mais j'aborde aussi des sujets transverses. Hein. Donc ça peut ouvrir à d'autres questions, etc. Et là encore, si vous avez des questions sur certains sujets, vous pouvez les poser. Hein. Vous pouvez, je vous invite à aller sur mon blog qui est Soigner l'habitat. Donc, si vous tapez Soigner l'habitat, je crois qu'il est noté dans le descriptif. Je ne sais pas, je crois, je suis sûr, c'est moi qui ai écrit le descriptif. Donc, il est dans le descriptif. Et donc, vous pourrez me demander. Déjà, vous pourrez charger des e-books gratuits, puisque j'ai deux e-books que je propose gratuitement. J'en ai un troisième qui va bientôt être disponible. Alors bon, ce sont des e-books, hein, ça fait 50-60 pages. C'est sûr qu'il n'y en a pas autant que dans 250 pages dans un livre papier. Mais ça dégrossit déjà le sujet, ça donne quand même des pistes. Hein. Eh bien, venez me dire si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces visioconférences, et je le glisserai dans les plannings. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions ? Est-ce qu'on ne va pas petit à petit s'orienter vers la fin de cette visioconférence ? Je vous laisse, Guillaume et Céline, me dire. Alors, effectivement, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. OK, bon. Donc c'est très bien. Alors, je tiens à dire qu'au niveau des questions, je voulais le dire au départ, je l'ai oublié. Il ne nous est pas techniquement possible de suivre tous les chats. En même temps, nous sommes sur deux ou trois supports Facebook, je ne sais plus, hein, au moins deux groupes, hein, Rénovation pertinente et Autoconstruction écologique, et nous sommes aussi sur YouTube. Et donc, Céline, qui suit le chat de YouTube. J'essaierai les visioconférences suivantes de le préciser. Si vous voulez pouvoir poser des questions, mettez-vous sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, vous pourrez poser des questions, mais vous pourrez avoir une frustration parce que nous ne les voyons pas et ne pouvons pas y répondre. Hein ? Voilà. Alors, cette visioconférence, elle a eu lieu grâce à des partenaires. Et ces partenaires, donc on va revenir. Voilà.
Ces partenaires sont au nombre de deux. On a tout d'abord, alors je crois que j'en ai effacé un, je n'aurais pas dû effacer, bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Alors, Gramiterm, fabricant d'isolants en laine d'herbe. Alors, certains me diront, ouais, mais l'herbe, c'est mieux de la garder pour les animaux. Oui, sûrement, sauf que là, ce n'est pas la même dont on parle. Gramiterm se fournit d'herbes qui, si elles n'étaient pas collectées par eux pour en faire de l'isolant, seraient tondues, broyées et probablement soit compostées, soit incinérées. Et donc là, ils récupèrent cette herbe. Alors, elle est collectée sur les aéroports, elle est collectée le long des autoroutes, etc. Il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir de l'herbe qui autrement ne serait pas valorisée. Gramiterm la collecte, en tire, en extrait le jus. Ce jus est lui-même traité dans un digesteur et sert à produire de... Donc, on produit de l'énergie avec. Hein. Cette énergie sert et est réutilisée donc en circuit court, en boucle. Et donc, avec la fibre sèche, ils fabriquent des panneaux d'herbe, hein, qu'on appelle le Gramiterm, voilà. Leur usine est installée en Belgique et c'est une technologie suisse à la base. Ils sont donc certifiés biosourcés, 88%, ce qui est un très joli score. Et ils livrent sur toute la France, donc des lambda très bons, excellent déphasage, très bonne capacité thermique, massique, donc beaucoup de déphasage, un bilan énergie extraordinaire, puisque c'est tous les biosourcés sont bons, sont bien meilleurs que les autres, mais celui-ci, il a un avantage sur les autres, c'est qu'il est produit sans qu'il y ait nécessité d'en faire de la culture. Hein. Donc, l'herbe, elle pousse toute seule. Voilà, on la collecte, on la traite. Alors, ça ne veut pas dire que la laine de coton, que la laine de lin, que la laine de chanvre, etc., ne soit pas bon. Hein. On a aussi la laine de riz, on a la paille, etc., qui sont d'excellents matériaux. Hein. Mais Gramiterm, je suis heureux de les avoir pour partenaires parce que j'aime bien. Hein. Le deuxième partenaire, excuse-moi, collègue, j'ai perdu ton prénom, Olivier. J'ai mangé ton slide. C'est Planète Énergie. Planète Énergie est une plateforme qui petit à petit fait sa place. Hein. Ils sont dans le 77, ils arrosent désormais toute la région parisienne et ils sont en train de mettre en place tout un système. Ils font partie des rares start-up dans le bâtiment. Ils ont été primés déjà plusieurs fois. Ils ont eu, il y a une dizaine de jours, la visite d'Emmanuel Wagron et je ne sais plus quel autre ministre. Donc, c'est quand même pas rien quand vous avez deux ministres qui se déplacent pour venir voir votre chantier. Hein. Ça veut dire que quand même vous êtes représentatif de quelque chose. Et donc, je pense qu'on va développer pas mal de choses avec Planète Énergie. Je suis aussi très heureux d'avoir Planète Énergie pour partenaire. Donc, c'est grâce à eux que cette visioconférence a eu lieu, que les prochaines se tiendront. Donc, si vous avez besoin de leur service, en tant que fabricant pour Gramiterm, en tant que metteur en œuvre, prescripteur, analyseur de situation, j'ai souvent dit qu'il fallait poser des questions et savoir si telle chose était bien ou pas bien, et qu'en fonction de ça, on pouvait se déterminer. Eh bien, Planète Énergie est aussi orientée vers ça. Mais j'anticipe déjà un petit peu, on en reparlera. Tout ça. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Voilà, on va rectifier le tir. Et la semaine prochaine, on parle de quoi? Et qui nous en parle? Eh bien, on reste sur construire ou rénover, mais on ira vers les aspects subjectifs. Qu'est-ce qui fait que je vais plutôt être attiré par une rénovation ou plutôt attiré par une construction. Donc, nous sommes des êtres doués de sensibilité et il est important d'écouter notre sensibilité. C'est ça que j'aborderai avec vous la semaine prochaine puisque c'est moi-même qui l'aborderai.
Donc, même lieu, même jour, même heure, même process. Hein. Donc, à la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, vous avez le site Papy Claude, vous avez le blog de Soigner l'Habitat, vous avez la chaîne Papy Claude, vous avez Bill Green sur lequel j'ai écrit tellement d'articles. Et d'ici la semaine prochaine, vous pouvez avoir soit précommandé cet ouvrage, soit si vous avez une librairie qui se tient à jour de ça, ou un fournisseur bio, ben vous pouvez l'acheter chez lui. Également, alors je lance un appel. Je prends un appel, c'est une bouteille, voilà, elle est là pour tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une espèce de saloperie qui s'appelle Covid-19, alors certains disent ça n'existe pas, etc. Bon. On n'est pas là pour débattre de ça. Il n'en demeure pas moins que nous sommes face à une situation sanitaire qui, étant ce qu'elle est, a mis en cause beaucoup de grands événements. Et donc, l'éditeur de mon livre, Terre Vivante, m'avait programmé des conférences, questions, débats, etc., autographes et tout, dans des grands événements. Hein. Et tout ça ben, est passé à la trappe. Donc, il faut trouver un autre moyen d'aller au contact. Par exemple, je vais aller le 24 octobre donner une conférence débat et dédicace à suivre à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand. Je vais aller le week-end du 9-10, je ne sais plus exactement toutes les dates en tête, dans une petite librairie en Haute-Savoie, à Vieux-en-Salin, région très chère à mon cœur, parce que j'y ai beaucoup œuvré et j'ai des proches là-bas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu ce contact, qui est Colibri, hein, une librairie, et où je vais donc aller faire une conférence. Alors bon, c'est pas la même taille que les Volcans, hein, parce qu'il y en a, il y a 40 salariés d'un côté, ils sont à deux de l'autre. Hein. Le 9 au soir, ça s'est calé ce matin, je vais aller faire une conférence débat à Bouège, conjointement avec la médiathèque de Bouège et une association qui est Vivre en Vallée Verte. Alors ça, c'est encore plus cher à mon cœur, puisque la Vallée Verte, j'y ai œuvré en tant qu'artisan, constructeur, en tant que maître d'œuvre, en tant qu'isolateur, hein, spécialiste d'isolation, etc. Et donc, j'y vais le 9 au soir à 19h. Voilà, on va faire un petit truc, bon, il y aura un petit peu après. Bon, alors, oui, effectivement, ce n'est pas des jauges à 200, 300 personnes, hein. C'est bon, des jauges d'un côté 15, 20, 25 peut-être chez Colibri, chez les librairies des Volcans, je ne sais pas, 40, 50, 80, je ne sais pas. Hein. Vallée Verte, ça va être 30, 40, 50. J'ai eu une demande par une collègue qui est Émilie, que je remercie ici de cette demande, pour aller intervenir en Poitou-Charentes, hein, donc à La Rochelle. Voilà, je vous le dis, si vous êtes dans des associations, si vous êtes négoce, si vous êtes libraire, si vous connaissez des gens qui ont envie d'organiser quelque chose sur et autour de la construction écologique, l'habitat écologique ancien, etc., je suis votre homme. Je suis ouvert à toute proposition pour aller porter la bonne nouvelle, puisque c'est quand même ce qui me fait lever le matin. Voilà. Eh bien, donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Protégez-vous, portez-vous bien. Et pour ceux qui sont sur les chantiers, ayez de bons chantiers. Pour ceux qui rêvent d'en avoir, eh bien, rêvez bien, hein, etc. Donc, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été présent avec nous jusqu'ici. Au revoir.